Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Si y a quelqu'un, vient à 13h. Me voici, je suis là. Toi, chez donc. Qu'est-ce que c'est, manque de respect? Si tu ne peux pas encore être là, dis à quelqu'un que tu ne peux pas encore être là. Tu viens me faire attendre ici parce que je ne suis plus au travail. Je ne suis plus au travail. On l'appelle, le numéro ne passe pas. Les grandes choses que les gens font souvent, n'importe quoi. On va dire que je suis brutal. On va dire que je suis. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Un instant, s'il te plaît. Un instant. Mon café, c'est ma honte. Tu es seulement poussé de ta fille. Tu as des choses à faire. Maman, tu es tellement jolie que quand je peux lui passer là, j'ai perdu la maison. J'ai perdu la boule. Je suis dépassé quand même. Tu es nouveau dans le quartier. Non, je suis là depuis une fois là. Parce que je ne t'ai pas encore remarqué ici au quartier. Tu sais, tout le monde est là parce que tout le monde me connaît. Non, moi je fais les choses, moi je fais les choses. Non, moi je ne suis pas du quartier, moi je suis juste venu de passage comme ça. Donc, c'est quand tu n'as pas besoin d'un renseignement. Non, pas un renseignement. La vérité est que quand une fille est belle comme toi, moi j'estime que c'est vrai, je ne suis pas beau. Mais ensemble, quand même, on peut essayer de voir si on peut parfois souvent marcher ensemble. Hein? Une belle fille comme toi, si tu accompagnes d'un gars comme moi, les choses vont aller un peu plus vite dans ta vie. Hein? Donc, si tu peux même être une fille que quand je suis passé, tu l'as à côté. Ou alors on va droit vite. Si tu peux être ma copine, c'est encore l'homme le plus comblé. Hein? On peut aller quelque part, on s'assoit au calme, on prend une bière, on mange un poisson ou un poulet, histoire de faire connaissance. Tu sais, quand on parle avec la bouche comme ça, là, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc, moi, la chance de pouvoir quand même te montrer que je suis un gars sérieux. Voilà! Alors, il y a un petit sur la côte là. Allons, on peut. Ah, ça te dérange pas, non? Non, même comme j'aime pas les choses du quartier. Non! Ce n'est pas les choses du quartier, c'est juste que. Pardon, un service. Tu peux t'approcher ici. Hein. Comment tu vas arriver devant comme ça? Service. Oui. Bonjour. Ouais, bon, pour moi, c'est une bière. Votre la bière, ouais. Ok. Donc, comme je disais, tu es une fille d'un façon dont tu me plais. Moi-même, je n'en ai pas. Quand je t'ai vu, j'ai compris que tu es la fille qui me manquait dans la vie. Je ne sais pas pourquoi depuis on ne s'est même pas rencontré. Merci. Merci. Ok. Ah, bon, je vais un peu décapsuler. Ok. Décapsuleur, s'il vous plaît. Tu vois, moi j'aime bien les filles santé. Tous les gens ici, ils ont beaucoup de respect aux gens. Moi, j'ai un destin de tout le monde. Donc, un jour, tu étais comme passé. Oui, la dernière fois, c'était, il s'appelait Atam, un vieux blanc. J'appelle le serveur, viens nous servir à la boisson. Il crâne, il crâne. Il arrive au lieu de bien se comporter.
Elle a dit ça, il rentre avec mes 200. Je ne vais pas demander, il refuse carrément de me rembourser. Ce que j'ai fait, si j'ai bagarré ici. Non, tu sais qu'il y a aussi ces peuples là qui se comportent souvent mal. Ils ne savent pas quand ils arrivent ici là. C'est normal. Parce qu'on dit comportez-vous bien. Hein? Quand quelqu'un se comporte bien, il a la chance d'être bien dans sa vie. Hein? Donc il faut laisser, il faut le pardonner. Faut le pardonner. En fait, tu vois. Oh, ça me dépasse, mais il faut que tu dises. Moi, je sais que quand une relation est la plus forte, c'est quand on est vraiment uni. Donc tu vois, depuis quand tu parles, ta gestuelle et tout, mon cœur ne fait que fondre, je suis vraiment bizarre. Donc je te demandais, je ne sais pas, n'importe quoi ça m'a arrivé, mais moi je suis quelqu'un de vrai. Quand j'engage une relation avec une fille, moi je veux une relation durable. Une relation qui va faire que, même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on parle encore de nous. Qu'on sente qu'on s'est concentré et on voulait faire du bien. Donc, dans ma doléance, je ne sais pas. Je voudrais bien. Est-ce que c'est possible qu'on puisse essayer de se reposer pour faire encore un peu plus de Donc, c'est pour ça que tu m'as donné mon texte. Et... Moi, je suis à venir. Je n'aime pas le cri qui tout ici est sale. Moi, je n'aime pas, franchement. Je n'aime pas. Et en plus, même, je dois connaître avec vous. Même Roméo et Marcel, il reste ici là en bas. Mais quand tu contournes comme ça, il reste là. La première fois qu'il me voit, oh machin, vraiment, maintenant, machin, jusqu'à il m'amène ici. Moi, franchement, je n'aime pas. Donc pour le premier rendez-vous, tu fais ça. Non, moi, ça me laisse ça. Moi, je ne suis pas le Roméo. Les Roméo sont des gars qui ah, ils sont pas honnêtes. Les Roméo sont pas les gars droits. Les Roméo sont vraiment bizarres. Les Roméo sont des gars que quand tu te crois dans la route, tu ne sais même pas pourquoi ils sont là. Hein? Moi, c'est Eric. Je te dis, les Eric sont les gars droits comme les guides. Je te dis, nous, si on fait le casting pour aller au paradis, tous les Eric sont parmi les premières personnes. Toi, tu as quel problème? Hein? Toi, tu as quel problème? Attends-moi, tu as la chance que tu n'auras jamais de problème. Personne ne va jamais t'agresser. Tu seras bien. Hein? Je m'en bats uniquement pour faire ton bonheur. Tu n'as pas de soucis. Hein? Tu n'as pas à voir. Si les Roméo ont gâté peut-être la chance que tu les as offert, moi, je ne peux pas tâcher la mienne. Je suis quelqu'un que quand on me fait la chance une fois, j'essaie de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que notre vie continue cela à rien qu'à la pièce. Hein? Moi, je n'ai pas souvent dit, oh, rien que quand la mort ne sait pas. La mort ne sait pas pourquoi. Hein? La mort même ne doit pas nous séparer. Tout le monde a sa vie. Jusqu'à quand la vie ne sait pas. Donc, il y a un problème. Non, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Coupe d'abord, est-ce qu'il y a un problème? Non, le préservatif, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Donc, pas une minute. Voilà. Donc, une minute. Oh, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Oui, mon frère. Bonjour. Bonjour. Vous avez des chambres ici? Oui, on a des chambres. C'est pour vous, mon cher. Oui. La chaise, c'est combien? 2500. 2500. Ok. Ça, tu peux nous présenter les chambres là. Ah. Ok, d'accord. Tu dis que les personnes sont dans la chambre, il faut aller dans la chambre. Allons, allons. Ok. Ok. On te trouve là-bas les rênes. D'accord. D'accord. Ok, on fait. On te suit. La dernière fois j'étais ici, non? Ah.
C'est la deuxième salle. Non. Cherche une autre chambre. Il y a la chambre là-bas. La 302. La 302. Ici, là. La dernière fois que j'étais ici. Avec un certain comme t'as dit que oh, les que oh, machin, il va être au paradis, quoi, quoi, quoi. Là. La dernière fois que j'étais ici, les cravesses, trop de secousses, tu peux même pas faire quelque chose sur le monde des jours. Non, il y a la 306. La 306 là-bas, je sais que c'est fort. En plus, les gens sont bien. Et l'eau, il coule normalement. Oui. C'est quoi? Vous avez déjà aménagé? Parce que quand, d'après les souvenirs, je connais ce qui se passe ici. Je ne suis pas sûr que vous avez aménagé, franchement. Monsieur, là, je suis pas vraiment désolé. Il est désolé. Et c'est de ma faute. Il faut aménager vos histoires ici. Trop ça, je connais la chambre ici. Vous avez déjà aménagé. Vous n'avez pas aménagé d'après mes souvenirs. Le lit ici, le lit d'ici, les cravesses, tiens sur ça. Ça bouge, poudoum, poudoum, poudoum. Tout le monde est au courant. Non, franchement, moi je ne sais pas. Alors, il y a la 306. La 306, je sais que là-bas c'est VIP. En plus, la clim, ça fonctionne. Il y a la 308. 308, les grands, c'est propre. Il y a une bonne couleur. La chambre est vraiment bien aménagée. Hein? Il y a aussi même la 309. 309, vraiment, c'est propre. En plus, tu appuies l'eau coule normalement. Là-bas, ça, c'est chaud. Là-bas, c'est froid. Tout ce que tu me fais, voilà. Je connais le système. Le manquer. Quand on m'appelle le numéro de tout, je comprends. Quand tu m'as dit, on m'appelle le tout. Maman? Donc toi tu connais toutes les chambres si tu connais les gens qui sont sur tous les lits. C'est dans mon quartier non. C'est dans mon quartier je connais. Par rapport ici, il y a même encore un là. Le motel qui est à côté de, tu vois l'entrée de la station là. Il y a un motel là. Là-bas aussi c'est chic, c'est très, très fort, très pratique. Là-bas, quelle est la mauvaise chambre? Non, toutes les chambres que tu vois, les 2700 là-bas, c'est sale. Quand tu veux bien faire tes choses là-bas, prends pour 5 lits. Tu ne regrettes pas. Non, franchement, à part si tu lui as donné 2500. Parce que moi, je ne vais même pas faire ça. Mais il y a les maladies dehors. Allons dans la poisson, allons là-bas. Là-bas, au moins, je sais que c'est propre, c'est bien. Allons sinon, tu as les clés. Non, attendez. C'est quoi? C'est ce qu'on va faire. Pourquoi non, non? Non, attends d'abord. Ta paix est bien. La santé est bien. Le bien, tout le monde aime quand la bière est glacée dans son frigo. Tout le monde aime quand son poisson est bien blessé. Tout le monde aime quand il est à l'aise. Tu vois, pour le moment, je vois que tu es une fille, tu peux voler et je veux pas. Non, pour moi, je suis surpris. On va remettre ça. On va remettre. Allons finir nos bières. On part d'abord, tu vois. Non, non j'ai envie, c'est très bon. Tu vois, parfois. Il me stresse. Non. Le gars, il me stresse. Non, il n'y a pas de souci. C'est, vous savez moi que tu fais, non. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai demandé. Allons quand même, non. C'est, laisse. On va partir dans la 300 combien? Tu peux la combien? 308. 308. On va partir. Papa. Attends d'abord. On part d'abord. Tu vas causer avec lui. Laisse, oui. Hein? Attends. Attends-moi, là aussi, une fois. Hein? Je t'attends. Attends-moi. Ok, fais. Moi je suis parti. Moi, je te donne ton argent. Ta fille, pardon, reste là. Reste là où tu dors. Quelle est cette fille qui connaît toutes les chambres, les couleurs des gens, les couleurs des murs, les lits qui font tout le bruit, les lits qui font pas le bruit. Pardon, tu le sais, je suis ça. Moi, je suis là. Si elle me cherche, je dis que le gars a été assis, si tu veux la même partie. Tu as d'accord. Tu madame, s'il vous plaît, on vous regarde qu'il est parti. Non, il est parti, comment? Je suis avec. Tu connais. On parle comment? S'il vous plaît. Non, je suis venu pour faire. J'attends mon j'ai bien dit la peste. J'ai bien dit. Vous ne changez jamais. Il faut changer votre façon de faire. On ne reçoit pas les gens comme ça. C'est quoi ça? Les guerriers, le retour, c'est le King Kong. Voilà, on était comme ça, tu le fais comme ça. Ce qu'on sait faire. Donc, petit scénario,
et on était comme ça au Moral Hotel. Le Moral Hotel qui est comme ça, l'établissement vraiment, vraiment malheureux. Caméra, tu t'approches pour le son et tu vas entendre. Voilà. Le Moral Hotel est un hôtel qui est situé en Kouaban. Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, vous prenez la moto à 100 mètres, vous allez au Moral. Le Moral a des chambres vraiment nickel. Bon, le scénario, c'était juste pour attirer l'attention sur les filles qui sont trop VIP. Voilà, il y a les filles vraiment qui sont un peu trop charismatiques. Donc, aujourd'hui, c'est l'hôtel Le Morel qui nous a reçus. Et voilà, comme ça, le directeur nous a donné les locaux pour qu'on puisse se mouvoir et être bien. Donc, je vous invite à venir comme ça, passer votre séjour au Morel Hôtel. C'est la classe, c'est la chimamelu, rien n'est dit, vous nous allez visiter. Donc, vous aurez l'opportunité dans un autre scénario de vous faire visiter. Au Kouaban, vous prenez la route de l'ancienne brigade. Voilà. Vous entrez à 200 mètres. Et vous êtes déjà là. Voilà. Au Carrefour Charlemagne. Ici, le bonheur, c'est le bonheur. La joie, c'est la joie. L'amour, c'est l'amour. Ceux qui veulent entendre, entendent. Ceux qui ne te rompent pas. On vient pour découvrir et on se calme. Voilà. On vient pour découvrir et on laisse passer l'amour qui se passe ici-là. C'est l'amour, bref. Donc, les gars, entre nous, c'est le retour de King Kong. Donc, comme pour vous dire, on était ensemble. Petit scénario pour lancer notre établissement. Merci à vous. C'est le retour de King Kong.